complot. Pourquoi pas moi qui peux changer le monde? Pourquoi pas Mimi? Connais le chemin, pourquoi pas moi qui se sort du pétrin, pourquoi pas moi qui peut changer le monde, pourquoi pas Mimi, pourquoi pas Mimi. Je changerai le monde s'il le fallait, pourquoi pas moi, pourquoi pas Mimi. C'est bientôt le temps du bal annuel de l'école. Un bal magique, tout plein de musique, de tenues de rêve et de malheureux étranglés par d'affreuses cravates. Je ne veux pas y penser. Inscrivez-vous au comité d'organisation du bal. Portez-vous volontaire, n'hésitez pas surtout. Hubert, je suppose que tu veux que je m'occupe des rafraîchissements à nouveau. Je croirais qu'ils n'ont jamais goûté à du punch ou varek. Mais cette année, j'ai envie d'autre chose. Mimi, Martha. Hé, hey, Mimi, je crois que tu t'es trompée de page. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux te charger d'engager le groupe rock? Ouais, et alors? Alors, c'est le travail de Ségolène. Elle s'en charge depuis toujours. Depuis la nuit des temps, ouais. Depuis la classe de quatrième. Eh bien, elle a probablement très envie de faire autre chose. L'équipe de nettoyage. C'est le seul travail qui restait. On dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent. Allez, vers de terre. Qui a volé mon job? Je n'ai rien volé du tout. J'ai simplement exercé un privilège démocratique et j'ai choisi... Alors, déchoisi. Pas question. Bon, si c'est ce que tu veux. En passant, avez-vous déjà entendu parler des sept chanteurs capitaux? Les sept chanteurs capitaux? Mais c'est le groupe le plus cool de la ville. J'aurais pu les engager en claquant des doigts. Je connais les groupes rock aussi bien que Ségolène. Tu n'as rien compris. Ségolène a des relations. Et elle a engagé les Rita Bazooka l'an dernier. Les bazookas ne jouent jamais dans les écoles. Ils sont si populaires. Ils sont vraiment super. Ouais, ouais. Bon sang. Chers meilleurs amis, vous avez confiance en moi et c'est si émouvant. Tout ce qu'on disait, c'est que c'est plus dur que tu crois. Les groupes cool ne se trouvent pas facilement dans les petites annonces. Les décrépits, les mastodontes, les chimpanzés. Les relations, c'est pour la galerie. Je sens que ça va être de la tarte. Bob fait de l'office M, Joseph et Gaga. Fred a les artères mouchées, mais on préfère manger gras. Et oum papa, oum papa, oum papa, oum papa, on préfère manger gras. Pipi caca, pipi caca, je viens juste de faire. Ma couche est trop lourde, elle est tombée par terre. Pipi caca, pipi caca, yeah! Oh, 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 oh. Engager un groupe? Ouais. Ou presque. Pas tout à fait. Pauvre Mimi. Imagine quand tu sentiras toute cette haine dirigée contre toi. Et toi seule.
sort le drapeau blanc, supplie Ségolène de prendre la relève et de trouver des musiciens. Merci, Hélène. C'est la soirée de l'année, Mimi. Faudrait qu'elle soit plutôt cool, non? Merci à toi, Francis. Écoutez, j'admets que c'est plus difficile que prévu, mais je refuse de renoncer maintenant. Puis, vous savez, il reste encore... moins d'une semaine. Qu'est-ce que c'est que ça? On croirait qu'on étrangle un chat. Oh! Je crois que ça vient du sous-sol de Nullard. Je ferais mieux de la payer avant de la casser. Ouais, merci beaucoup, concitoyen Médusard, et bonsoir à vous. Mimi a un plan. Quoi? Mimi a un plan. Mimi, est-ce que tu te rends compte? Il est nul. Je sais, oui. Mais ce qui lui manque en talent est largement compensé par sa passion et son enthousiasme. Mimi, un mauvais guitariste ne fait pas un groupe rock. Tu ne vas pas le laisser monter sur scène à la soirée? Bien sûr que non. Tu crois que je suis malade? Tu veux que je te réponde? Nullard ne jouera pas à la soirée. Pas tout seul. Ce n'est que le premier morceau du puzzle. Un puzzle? Si je ne trouve aucun groupe, je vais créer un groupe. Et que peut-on rêver de mieux que de jeunes talents qui viennent de notre propre école? Bébé, je vais faire de toi une étoile. Mais ça ne se crée pas un groupe rock. Deux mots, Hélène. Spice Girls, observez la manœuvre. Les groupes ont des genres aussi divers que variés. Il y a le type rebelle et le type propret, un peu nouille que les jeunes et les parents du monde entier adorent. Puis, il y a le type fifille et le type groupe de garage. Nullard est du genre groupe de garage. Comment sais-tu tout ça? Alors, tout ce qu'il me faut, c'est un rebelle, une nouille et une fifille. Et j'aurai un groupe pour tous les goûts. Ma nouille. Nanon. Et mon rebelle. Mimi, aucun d'eux n'est musicien. Non, mais ils ont un look d'enfer. C'est loin de suffire. Ouais, tu as raison. C'est pourquoi j'ai investi une partie de mes économies dans... un vieux bouquin? Comment jouer de la guitare comme une star du rock en 10 étapes faciles? Mimi, tu ne crois tout de même pas que... le type qui a écrit ce livre a appris la guitare à Hendrix. Inutile d'en dire plus. Ouais, cool. Génial. Il a enseigné à Jimi Hendrix? Non, à Orville Hendrix. Le chanteur folklorique. Je n'arrive pas à le croire, mais... ils sont vraiment pas si mal. Il reste encore un problème. Aucun d'entre eux ne chante. Ils ne vont pas chanter.
C'est toi qui vas chanter. Répète-moi ça. Tu as une très jolie voix, Hélène. Elle a bien raison. Tu seras ma fifille. Oh non, jamais. Il n'en est pas question. Tu as raison, c'est vrai. Qu'est-ce que la célébrité peut apporter aux gens? La fortune, des filles, des voitures sport. Tout ça, c'est très superficiel. Non, la seule chose que la célébrité ait jamais apportée, c'est une tribune pour parler à des millions de gens dans le monde de sujets comme la faim, des droits humains et des droits des animaux. Tu arrives toujours à me convaincre. J'ai vraiment hâte de voir dans quel pétrin tu vas te mettre ce soir. Tu vas avoir une déplaisante surprise. Oh. Ça y est, j'ai une poussée de trac. Ouais. Relaxez, groupe. N'oubliez pas qu'il n'y a que des amis dans la salle. En plus de Yolande Dusson, des disques bâclés. Yolande Dusson? La dénicheuse de talent Yolande Dusson? Oui, c'est bien elle. Tu l'as invitée à notre premier spectacle devant public? Vous allez lui faire un effet bœuf. Allez, on vous réclame. Maintenant, c'est avec plaisir que je vous présente notre groupe local, les héros de l'heure. Sans Mimi. Parle pour toi, Hélène. Voyons, Rock, évidemment que ça s'est pas fait tout seul. Nous, les petits Vénus, on a fait notre part, voilà tout. Yolande Dusson. Yolande, je suis contente que vous soyez venue. Vous avez un son génial, nouveau, très frais. Je vous engage sur le champ. Ouais. C'est super, un contrat. Où est-ce que je signe? Tu vois? Non. Mais enfin, voyons, je suis leur impresario. Tu ne l'es plus désormais. Je m'occupe de mes groupes moi-même. Mais c'est moi qui ai créé les héros de l'heure. Je veux que vous entriez en studio d'enregistrement pronto. Qu'est-ce que tu... Je refuse d'y aller sans toi. Non, il faut que tu y ailles. Mais... Tu dois penser aux droits de tous ces animaux. Où trouvez-vous votre inspiration? C'est comme, tu sais, tu te réveilles le matin, tu prends ta guitare parce que c'est comme, ben,
La vie, quoi? Cool. Et toi, Rock? Ok, d'accord. Hélène, à quoi penses-tu quand tu chantes? Moi, je pense aux animaux. Interdisons les tests sur les animaux et je le prends très au sérieux. Ségolène? Ségolène? Qu'est-ce que tu fous ici? Je suis la nouvelle assistante de Yolande Dusson. Mon papa m'a trouvé ce job. T'as pas compris? J'aime pas les bleus. Espèce de... jeune talent très prometteur. Qui sont ces filles, Bert? Peut-être vos choristes? Des groupies. Je n'arrive pas à le croire. Ils sont célèbres et moi, je ne suis rien. Il m'en reste deux options, Francis. Je peux rester là à broyer du noir ou je peux avancer. Ouais, bravo, Mimi. Super. J'ai créé les héros de l'heure à partir de rien, pas vrai? De rien. Alors, si j'ai réussi une fois, je réussirai encore. Oh. Mimi! Mimi! Hélène, qu'est-ce que vous... Bah, à vrai dire, on a voté et on est tous d'accord. Rock et moi sommes en parfait désaccord. Oui, mais n'oubliez pas que vous êtes foutus sans guitariste et sans chanteuse. On a dit à Yolande que nous ne jouerions pas si tu n'es pas notre impresario. Et alors? Elle est d'accord, on travaille ensemble. Ouais, je veux dire, je vais réfléchir. Et le prochain spectacle? A lieu samedi, on va passer aux étoiles du rock. J'accepterai peut-être, à condition que ça se fasse à ma façon. Ouais, d'accord. Vous ne le regretterez pas. Je peux plus respirer. J'ai créé le groupe. Maintenant, je dois créer votre image. Costume est fait d'un tissu très irritant pour les zones sensibles. Et voici le moment que vous attendiez tous! Je me réveille et je vois qu'il va pleuvoir. Le chien encore à manger. Qu'est-ce que je rajouterais à part? Passons à un message vite! Oh non! C'est une station publique! On n'a pas de pub! Le générique, vite! C'était génial ou c'était génial? J'ai engagé les héros de l'heure pour leur simplicité. Cette prestation avait l'air... de dater de notre âge? Exactement! Le contrat est résilié! Avec Mimi? Avec vous tous! Oh, Mimi, je suis désolée. Non! Et toi, Hubert, pauvre gringalet idiot. Ne crois surtout pas que j'ai oublié l'affaire des bonbons. Tu vas me le payer. Regardons le bon côté des choses. Vous allez pouvoir vous concentrer sur vos études. Vous étiez vraiment tout près du but.
Je suis vraiment navrée, Hélène. Ça ne fait rien, Mimi. Je pense que je ne suis pas faite pour être une étoile du rock. Je préférerais trouver un traitement contre le cancer. Comment est-ce que les autres réagissent? Eh ben, ça va. Ça ne fait que commencer. Mais ça prendra encore un peu de temps.